c'est moi l'expert. Salut tout le monde, re-bienvenue dans une vidéo de présentation de cartos et de choses bizarres au banc. Avec un mec bizarre au volant, et ainsi de suite, et advienne que pourra. C'est uniquement sur rendez-vous. Une 106. Ouais, vas-y, travaille un peu. Ouais, dévoue-toi. Salut. Donc une 106 S16. Ouais, lui, il est pas resté sur le soupape, c'est pas un vrai. Avec un moteur, une type d'admission et plein de choses. Bon, ça va être plus simple si monsieur le propriétaire, il explique. Bonjour à tous. Donc il y a bloc de un litige puis soupape. Vilebrequin d'un litige puis soupape également. Piston biel d'un litige 16V TF5J4. Les empreintes de piston ont été agrandies. Il y a eu joint de culasse JP4, culasse JP4 avec une rectile de 1,5 mm. JP4 c'est C2 non? C'est ça? C2 VTS non? Un truc comme ça? Non, un litige 110 aussi. C'est aussi, ouais? Un litige 110. D'accord. Ressort coupelle de soupape 4 cams. Arbre comme 4 cams 715. Donc 280 degrés. Ouais. Niveau châssis, qu'est-ce que t'as? Niveau châssis, donc à l'avant je suis en Bechstein B8 avec ressort moins 30. Ouais. À l'arrière je suis en via rouge. En via rouge après le tarage je sais pas. Ouais ouais. Je sais pas. Donc les belles speedlines, hein. Voilà, c'est une valeur sûre. Blanche, voiture noire. Hein. Plus c'est quoi? C'est une enfant terrible à la base? De base, ouais. Donc une enfant terrible, ça n'existait pas en 16, hein. C'était non, des 1,4 litre, je crois. Hein. 4, ouais. Un petit intérieur. Est-ce que c'est un short shift wish? Celui-là, non. Ah. Non, c'est un vrai PTS? Non, non. Non, non, celui-là... Ah, dans un 3.6, j'ai un wish aussi. Celui-là, il vient de... Ouais, bah oui. C'est exactement les mêmes. Avec le sien qui est... Ouais, ouais. Non, le mien, il est chez NSB Concept. D'accord. Ça change la vie, hein. C'est abusé. Hein. Voilà, 3-6 quand je l'ai mis, c'est clic, 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 c'est abusé. Ouais, c'est agréable. Donc voilà, j'ai à ce niveau-là, j'ai aussi le quick shift au niveau de la boîte. Ouais. En boîte, t'as quoi? Train 59, donc en axe 16. Non, c'est comme chez moi, quoi. Train 59. Le MA5S. Ouais, ouais. Puis, voilà. Bah, je trouve que c'est le meilleur rapport pour rouler, que ce soit un peu sur la route ou sur des grands circuits. Mm. Parce que si t'as une boîte trop courte après là-dessus, c'est chiant, c'est trop court. Et trop longue, bah c'est chiant, c'est trop long. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un bon compromis. Et gestion méga skirt, t'as dit, hein? C'est ça, ouais, PNP. C'est bon, ça. Et tu vises quoi, à peu près? Déjà 160. 160, ça serait déjà pas mal. Ouais, largement. Mais je pense qu'il ouais, y a... Ben oui. Mais oui. Encore, c'est pareil, en rapport volumétrique, je suis à 11,5. Ah, ça va, ouais. C'est pas trop mal. C'est déjà bien. Après, t'as 8 soupapes de plus que moi, quoi. Ouais, en général, ma prépa sur un 16, tu sors 220-230 chevaux. J'ai mais là, t'as pas 100% la même, mais moi, je pense, ouais, 180, au calme. Hein. Ouais, il y a moyen. Et il a réglé, il a déjà réglé lui-même. Il a déjà fait ça, des sorties circuit et tout, hein. Ouais, il y a quoi, des 3 semaines. Ouais. Et bah, on va déjà la passer au banc, telle qu'elle. Déjà voir ce qu'il a fait, quoi, parce que ça a l'air d'être déjà pas mal. Et après, on voit ce que nous on peut faire encore par-dessus. T'es chaud? Chaud, vas-y. C'est parti. C'est parti. Ah, ça j'aime. Donc là, alors juste une fois un tir, déjà comme ça pour voir, hein. Ah. Oh, celle-là, elle est dedans. Thank you.
165. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Bon, 120, ça fait d'origine. C'est pas mal. Bon, là, le couple, par contre, les 184, c'est pas vrai parce que c'est une erreur de mesure. Il fait tellement de bruit, il doit être en PLS là, le module de position. Ouais, c'est bien. Hein. C'est déjà un bon en plus, la courbe, elle est encore sympa et tout. Ouais. T'as appris ça comment? Ophélie. Hop là. Comme farine. Voilà. Auto-apprentissage. Tu mets des chiffres au hasard et c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc à ton tour. On copie pas. Ou relève-le. T'as vu, j'ai enlevé les poils d'oreille. Tu les as enlevés? Ouais, ouais, mais ouah, t'en as dans le cou. Attends. Mais c'est normal, je me suis rasé tout seul, putain. Ouais, mais t'as pas des poils sur les clavicules, donc. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Je fais semblant de regarder et puis je lui dirais que c'est bon. Là, il y a un truc rouge, c'est que c'est pas normal. C'est que c'est normal. Ah, tiens, hop. Ah, tiens, je vais mettre une virgule là. Non, je fais un petit contrôle là et puis je vais commencer à ajuster tout simplement. Hein. La pleine charge. Il est en train de te pomper la carto. Ouais, je crois bien. Ouais. Pour la réinjecter dans Ah, tiens, j'aurais pu la sauvegarder avant de la. Ah, j'ai pas assez de soupape. Pas assez de soupape. De toute façon, les 16, c'est pour les associés. Voilà. Les 8, c'est ceux qui ont quelque chose à prouver. Par contre, oublie pas, hein. Rupteur alsacien. C'est déjà fait. Wow. Quand ça s'arrête, hein. Ouais. Bon bah on est bon, hein. Bon, c'est bon, tu peux remballer. Hein. Putain, les champions, on a sorti un cheval de plus. Ouais, grave. Eh, vraie bête, hein. T'as de nouveau un fax. Hein.
C'est ce qu'il dit ? T'es un fax. Un fax ? Ouais. Ah, y'a quoi d'imprimé dessus ? Une peinture. Bah ça. Ouais, bah écoute, au final, on sort à peu près exactement la même chose parce que si tu veux, ton moteur était au taquet. Donc tu vois, tu peux, toi t'avais des avances, t'avais 8 degrés de plus. Donc ton moteur, lui, il s'en branle. À l'éthanol, il s'en branle. Je veux dire, t'as pas été limité par la carte, t'as été limité par le moteur. Ouais. Tu vois, si tu veux sortir plus de chevaux, soit il faut bouger les arbres, soit les arbres un peu plus gros, ouais, tu vois. Ouais, ouais. Des choses comme ça. Moi, c'est mais non, franchement, c'est bien quoi. C'est super bien. Et comme dit, à l'éthanol, tu craignais pas grand chose, hein, tu vois bien. Hein. T'as ouais, pu rouler, t'as pu faire ce qu'il fallait. Voilà. Mais tu vas voir, ouais, surtout sur les demi-charges et tout, là, c'est. Je pense que tu vas me dire qu'est-ce que t'as fait. Là, si tu me dis pas ça, je te tape. Non, ça devrait être pas mal. On va aller essayer ça. Ouais, sous la pluie, ça va être génial. Ouais. On va aller à l'éponge. Ça va frifter. Allez, on est parti. Comme ça. Eh hey, mais tu sais quoi, on peut rentrer dans le garage, c'est con. Bon bah voilà. Ça va, j'espère que t'es content. Très content, satisfait. Alors c'est tout ce qui compte. Bon, on fait un petit peu un final assez rapide, mais là comme dit, il pleut assez mouillé quoi. Donc, ouais. Bon bah moi j'ai hâte de voir un peu les prochaines modifs quoi. Les prochaines évolutions. Tu penses que ça sera quoi? Une paire d'arbracam un peu plus gros, les pistons forgés. Donc profiter aussi d'augmenter le RV. Ouais. Et puis ouais, et puis déjà voir ce que ça sort. Quoi. Comme ça quoi. Donc, voilà, et puis là, après des papillons et machin. Après, voilà. Et après ça part en couille. Exactement. Ciao les gars. Merci Mario. Bon retour.
Et puis bah avec plaisir. Ça marche. Avec plaisir. À toutes.